Papa, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Papa, tu sais combien tu me manques. Ma passion, mes envies te dérangent. Ton absence m'a forgé dans la vie. T'es le moteur de mes envies. Dis-moi, papa, dis-moi pourquoi, pourquoi t'es parti, parti si vite. Moi j'ai besoin de toi, besoin d'amour, besoin de repères, car je suis perdu. Donc dis-moi papa, dis-moi papa, dis-moi papa, papa où t'es. Fils, 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 fils. Mais t'es où? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Papa, un jury et une standing ovation, la première de la soirée, de la part du public de ce studio de Belgium's Got Talent pour Jukebox. Ouais. Voilà. Il vient clairement de se passer quelque chose. Paul. La pression était... Merci beaucoup. Merci. La pression était énorme et il est venu avec quelque chose que l'on n'attendait pas du tout. Il est venu avec sa propre histoire. Il faut un culot monstre pour venir raconter son histoire dans une finale, alors qu'on l'attend à faire danser, que danser toute la soirée. Il a montré qu'il sait danser, qu'il peut être émotionnel, qu'il peut chanter même, ce qu'il n'avait pas fait lors des deux autres fois. Et c'est vraiment, cette émission prouve qu'il y a moyen de trouver une révélation. La révélation, c'est Funbox. Carlos. Alors, Jukebox, je voulais... Qu'importe le choix des téléspectateurs. Je veux dire, que tu sois le gagnant de cette saison ou que tu ne le sois pas, comme Paul a dit, tu es une véritable révélation. Tu nous as montré que tu sais danser, que tu sais chanter, que tu es juste en plus, que tu sais pêcher en toi cette émotion que tu nous fais ressentir. C'est assez énervant parce que je vois aucun défaut. Bravo. À chacune de tes prestations, on a eu l'impression de voir un teaser. Tu sais, un truc qui nous fait démarrer, qui fait « Mais attendez, là c'est juste 2 minutes, ça pourrait durer 1 heure ». Et c'était vraiment ça qu'on a vu aujourd'hui. Et je suis bluffée, j'aurais voulu en voir plus. T'as jamais été ridicule, de rien. T'as ouvert ton cœur d'une manière extrêmement franche, extrêmement cash. T'as pas essayé de faire des effets. Et t'étais émouvant, et t'étais juste. Voilà. On verra les résultats tout à l'heure, évidemment, mais... Dis-moi, sincèrement, de toi à moi, sincèrement, franchement, est-ce que le plus important ce soir, c'est pas au-delà du résultat final, au-delà de ce qui va se dire tout à l'heure, est-ce que c'est pas le message qui vient de passer? Est-ce que c'est pas le plus important finalement d'avoir pu parler à ton père? Si,
si. D'avoir pu lui dire enfin. Ça me tenait vraiment à cœur de parler à mon père. J'espère que mon père me regarde ce soir et qu'il voit en moi un talent. Je peux te rajouter un truc ? Oui. J'espère qu'il nous regarde. Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, monsieur, si vous êtes avec nous ce soir, sachez une chose, votre fils sait, lui, où il va. C'était John Box. D'abord, découvrir qui vous avez placé à la troisième place de ce podium, la troisième marche. Et Jean-Michel, il s'agit de... Alors, vous me direz que toutes les places, quand il s'agit d'une place dans le top 3, sont intéressantes, mais il faut y lire un troisième. Et ce numéro 3, elle se souviendra souvent de cette aventure, elle s'appelle Gaëlle Lacroix. Bravo Gaëlle. Bon, donc Jean-Michel, tout va se jouer entre June Box et Chris Watson. Allez les amis, on va bientôt le savoir dans quelques instants. Bon, comment tu te sens June Box? Là je suis stressé, je trompe pas de partout. Donc voilà, je suis... Vite, Chris, qu'on sache, oui. Chris, histoire de toute façon, quoi qu'il arrive, et je ne sais pas, l'histoire, quoi qu'il arrive, sera belle. De toute façon, elle est merveilleuse. Ça valait vraiment la peine, et à recommencer, j'en referai 20 fois. Je l'ai dit tout à l'heure, ça valait vraiment la peine. Et que vive encore longtemps le rock and roll. Tout se joue donc entre Chris Watson... et June Box. Qui avez-vous désigné comme étant le plus grand talent? Lequel des deux a reçu le plus de votes, Jean-Michel? Qui remporte le titre de Belgium's Got Talent 2013? Après les Toumades en 2012, notre vainqueur, cette année et en direct sur RTL TV, s'appelle June Box. Merci les garçons, merci beaucoup. C'était Belgium's Got Talent, édition 2013, qui salue la victoire d'un grand artiste. Il s'appelle June Box. Il avait un message à faire passer ce soir. J'espère que la personne à qui il était adressé se sera reconnue et aura compris la portée de son message et je pense de qu'il ce est passé, voilà. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bon, vous comprenez que, à mon avis, June Box ne sera pas avec nous dans les prochaines secondes, mais Julie, on peut dire. Ah ben on peut dire déjà qu'après 77 jours de recherche, nous l'avons trouvé, nous l'avons eu, notre gagnant de Belgium's Got Talent 2013. Et c'est June. Pour cet homme, tout ne fait que commencer. Et pour nous, l'aventure Belgium's Got Talent saison 2 se termine ici, ce soir. Merci de l'avoir suivi, d'avoir vibré avec nous jusqu'à cette finale. Julie, une petite citation. Jean-Michel. Alors, Paul Valéry l'a dit, hein. La meilleure façon de réaliser ses rêves. Bonsoir, June Box a remporté hier soir la deuxième saison de Belgium's Got Talent sur RTL. Il est l'invité de ce journal. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive? Je suis juste ému. Déjà, beaucoup d'émotions il y a eu hier soir, beaucoup de larmes. Et je suis juste heureux. Heureux et fier de représenter la Belgique maintenant pendant un an et d'être le talent de Belgique. Alors avant d'apprendre à mieux vous connaître, je vous propose de revoir les meilleurs moments de la finale. C'est avec Emmanuel Dupont et Pierre Alterman. Il était le favori incontestablement. Pourtant, à l'annonce des résultats, June Box, le vainqueur de la saison 2 de Belgium's Got Talent, s'est écroulé du haut de ses 21 ans. Je suis fatigué, je suis ému, je suis joyeux, je suis content. Je ne sais pas expliquer. June Box, c'est un mélange de Marwan Fellaini et de Michael Jackson. Mais c'est surtout une personnalité. Papa, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Où est ton papa? Hier soir, le danseur profite de la finale pour envoyer un message personnel à un père qui visiblement ne croit pas au talent de son fils.
c'est un grand, ce petit bonhomme. C'est un grand, quand même. Ah oui, oui, oui. Non, c'est... Le public a bon goût. Dès les premières auditions, ce vice-champion du monde de freestyle est repéré par le public et le jury. Charme fou. Merci. J'ai vraiment été fasciné. J'ai vu un danseur d'exception. Junebox, de son vrai nom Ibrahim, succède brillamment aux Toumad, les gagnants de l'an dernier, pour qui la victoire semble avoir ouvert de nouveaux horizons. On a évidemment eu une grande visibilité, puis après ça nous a permis de faire des shows. On est parti, Matteo a gagné à Paris Disney Dance Talent, on a gagné en expérience et on est passé clairement plus dans l'international qu'avant. Junebox repart avec 25 000 euros et peut-être le début d'une longue aventure artistique, à l'instar de Laura Pausini qui hier soir était venue fêter ses 20 ans de carrière. Alors Junebox, qu'est-ce que ça vous fait quand vous revoyez les images d'hier soir ? Là j'ai envie de pleurer encore, mais ouais je suis content parce que ma mère, c'est la première fois qu'elle est venue me voir, elle m'a jamais vu en live, en direct, elle était sur le plateau donc... C'est une émotion intense, ouais, j'imagine. Une émotion intense, rendre fier ma mère, pour moi je pense que c'est mieux que de l'or. Dans votre prestation d'hier justement, vous parlez de votre papa, c'est un message que vous lui adressez, vous aviez envie de communiquer avec lui parce que vous ne le voyez plus ? Non, je le vois plus depuis 3-4 ans. Et ouais, j'en souffre. Je souffre de son absence. Mais j'espère qu'il a regardé l'émission et que maintenant il voit une autre facette de moi et qu'il se dit mon fils peut y arriver en fait et qu'il croit en moi. C'était une façon de lui adresser un message, ouais. Vraiment à lui, vous le visiez, ouais, quoi. Parfaitement, ouais. Vous avez 21 ans. Ouais. Vous venez de Frameries, donc dans la région de Mons. Ouais. Vous êtes déjà un danseur un peu reconnu dans le milieu. Vous n'êtes pas vraiment un novice en termes de danse. Qu'est-ce que Belgium's Got Talent peut vous apporter ? Qu'est-ce que vous espérez que ça vous apporte ? Belgium's Got Talent, déjà niveau visibilité, c'est déjà incontestablement la meilleure façon de se faire voir. Et je pense que ça m'a apporté déjà beaucoup en maturité, expérience. Mm. J'ai appris à connaître des gens, les gens de la direction, tout ce qui est expression scénique, tout ça. J'ai appris beaucoup, déjà sur moi-même, mmh, et sur mes compétences et sur mes limites. Et donc je pense que je peux qu'en sortir vainqueur, mais voilà, j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres buts. Et je pense que grâce à cette émission, je peux maintenant... Pouvoir les accomplir. Maintenant, voilà, faire mon... Travailler sur mon propre petit projet personnel. Ouais. Et on va vous voir dans le dernier clip de Stromae. Vous avez tourné dans le clip de Stromae, tous, oui, les mêmes. Vous rêvez d'une carrière comme la sienne, ça vous fascine. On parlait de Michael Jackson tout à l'heure dans, ouais, le sujet aussi. Ce sont des carrières qui vous fascinent, des personnalités que vous rêvez d'imiter peut-être. Effectivement, ouais, Stromae a créé son propre monde. Il a son atmosphère. Comme, voilà, c'est Stromae. Mm-hmm. Et voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer aussi ma personnalité, créer Junebox. Voir, dès qu'une personne voit mon show, il dit voilà, ça c'est du Junebox. Mm. Comme Michael Jackson, inconstablement, quand on voit son show, on se dit bah voilà, c'est du Michael Jackson. Quand on voit Stromae, on se dit bah c'est du Stromae. Mais quand on voit Junebox, je veux qu'on dise que c'est du Junebox. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon vent à vous, Junebox. Merci.